Mademoiselle, j'ai bien reçu votre demande de paiement des indemnités journalières pour votre congé maternité débutant le 23 août. Je vous informe que je ne peux pas indemniser cet arrêt. En effet, pour avoir droit aux indemnités journalières, vous devez être à jour de vos cotisations. Or, vous ne remplissez pas cette condition. Votre situation se présente ainsi. Vous bénéficiez de l'ouverture des droits aux prestations en nature, je suis une petite chanceuse, et non en espèces, au titre de votre activité d'artiste-auteur. Vous pouvez contester cette décision. Je vous prie d'agréer, mademoiselle, mes salutations distinguées. Le technicien chargé de votre dossier, Stéphane Thomas, PJ, article L382-9 et R382-31-1 du Code de la Sécurité sociale. Les articles sont là, si jamais. Voici ma réponse. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Semaine 5, j'ai déclaré ne pas avoir exercé un effort continu en vue de produire ou de modifier quelque chose. J'organise des cellules en 3 groupes. Ectoderme, mésoderme, endoderme. Semaine 6, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai cependant produit un tube neural. Semaine 7, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai deux cerveaux. Semaine 8, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai deux fois moins d'estomac qu'une vache, mais deux fois plus qu'un homme. Ne pas avoir travaillé. J'ai fabriqué deux genoux. Semaine 10, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis dotée de 4 oreilles. Semaine 11, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'amorce la fabrication de cordes vocales.
et ne travaillez pas. Semaine 12, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je suis en pleine production de Semaine 13, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai produit du Lanouveau que je ne verrai jamais. Semaine 14, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. J'ai mis en place un système de pompe appelé poumon. Semaine 16, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je produis de manière indirecte du méconium. Semaine 17, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, je produis une nouvelle sorte d'anticorps. Semaine 19, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, j'ai réalisé un produit servant à protéger les peaux délicates nommées Vernix. C'est très très cool le Vernix. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu sur les mains. C'était toi, c'est beaucoup de toi. On a les mains toutes douces, on a le corps tout doux, on se faufile partout avec le Vernix. Avec le Vernix, la vie est plus flexible. On est comme léger, on est comme transporté. Semaine 20, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, je pose des sillons dans mon deuxième cerveau. Semaine 21, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Cependant, j'ai fabriqué deux globes oculaires. Semaine 22, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Je sécrète doublement de l'insuline. Semaine 23, j'ai déclaré ne pas avoir travaillé. Le développement relatif à la structure organisée de fibres contractiles assure le mouvement de mon collocataire. Semaine 24, ma deuxième tête se part de cheveux. Semaine 25, ma deuxième paire de globes oculaires commence à prendre de leur couleur. Semaine 26, les organes du système nerveux périphérique composés de neurones souvent regroupés en ganglions et projetant leur axone à travers des tissus achèvent leur développement.
Semaine 27, les vaisseaux sanguins irriguent maintenant les deux nouvelles viscères placées dans ma seconde cage thoracique. Semaine 28, le deuxième organe qui filtre et renouvelle le sang assure la production d'une grande quantité de cellules sanguines. Semaine 29. J'ai mis mes chaussures Lidl, je suis prête. Semaine 30, je garde mes quatre yeux ouverts. Semaine 31, les testicules de mon corps sont maintenant descendus dans le scrotum. Semaine 32, ça bouge, ça s'agite. Semaine 33, j'ai eu tête en haut et une tête en bas. Semaine 34, ça change de couleur à l'intérieur. Ça stocke des déchets, ça entasse, ça s'entasse. Ça stocke des déchets, ça entasse, ça s'entasse. Ça stocke des déchets, ça entasse. Votre deuxième cerveau est maintenant prêt. Semaine 36, j'ai maintenant la capacité d'avoir un double hockey. Semaine 37, je n'ai jamais été aussi proche du travail. Semaine 38, le travail commence. Il est né. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Babak. Tout le monde me sait. Seule depuis que je suis née, sans début ni fin, je n'existe pas encore, j'ai toujours existé, entre la vie et la mort, entre les temps, face à face avec hideux, qui ne vaut pas grand-chose, Babak est le nom de Babak qui n'a plus de nom, le meilleur nom pour tout ce qui se compose et se décompose dans la chute, je me soustrais à l'intérêt général. Au territoire, au cri pathétique. J'ai remplacé mon père par Babak. J'ai remplacé ma faim par Babak. J'ai remplacé l'air par Babak. J'ai remplacé les bombardements de masse par Babak. Le monde entier est Babak. Je me tiens tout entière dans l'ombre. Rien ne m'en fera sortir. Je m'appelle Babak. Je viens de la mer. Je suis moins que vous. Je devrais me taire. Condamné aux travaux forcés aux îles du salut, je n'ai jamais vu mon visage. Accusé d'avoir couché avec mon père, accusé d'avoir couché avec mon fils, accusé d'avoir couché avec les bêtes, accusé d'avoir couché avec l'ennemi, accusé d'avoir causé la pauvreté, accusé d'avoir provoqué l'épidémie, accusé d'avoir comploté, accusé d'avoir maudit mes voisins, accusé d'avoir séduit le violeur, accusé d'avoir accusé le violeur, accusé de n'avoir pas pleuré, accusé d'avoir été engrossé, accusé de l'avoir caché, accusé d'avoir accouché furtivement d'une fille, accusé d'être née fille, accusé d'avoir fait cuire ma fille, accusé d'avoir jeté le corps dans un puits, accusé d'avoir empoisonné mon mari, accusé d'avoir incendié le bâtiment, accusé d'immoralité, accusé d'être l'erreur, accusé par le greffier, accusé par le procureur, accusé par mon père, accusé par mes frères, accusé par mes voisins, accusé par le chirurgien, accusé par le curé, accusé d'avoir désiré, accusé d'avoir désiré devenir, accusé d'être devenu, accusé
accusée d'être devenue désirante, le corps inspecté, le sexe fouillé par les mains désirantes. Des accusateurs désireux de brûler mon désir. Accusée tous les deux ou trois jours, tuée tous les deux jours, tuée 50 000 fois l'année. Je signais les procès-verbaux d'une croix, plusieurs litres d'eau dans la bouche, condamnée à être brûlée, condamnée au bannissement perpétuel, condamnée à l'étranglement, et je dis comme je leur ai si devant dit... Je n'ai jamais su quelle était ma faute. Jamais je ne fis du mal. J'étais plus bas que tout. Plus bas, bas que tout. Je m'appelle Babac. Je continue à nier. Bête immobile, je suis née du feu. Suspendue en place de grève, c'est d'ici que je parle. Suspendue en place de grève, coupable d'avoir vu à travers leur peau. Suspendue en place de grève, je regarde vers le centre de la bête. Suspendue en place de grève, attentat mental au milieu de leurs regards. Suspendue en place de grève, leurs yeux pointus manipulent mes seins durs. Suspendue en place de grève, leurs coups tendus reniflent mon odeur de femme cuite. Suspendue en place de grève, séparée de mes bras, séparée de mes mains, séparée de mon ventre, séparée de mes jambes. Mon cri reste figé, mon cri reste seul, suspendue en place de grève. Suspendue en place de grève, l'œil de la foule gémit afin que le ciel fasse du sang. Suspendue en place de grève, usé par le sifflement des insultes, usé par le ciel dont je suis la proie, un ciel de visage blanc et détraqué, un ciel aux yeux luisants, aux lèvres molles, qui scande mon nom à pleine gorge. Le ciel tout autour, voilà ma mort. Un ciel de bile et de haine, un ciel de métal et de cendre, un ciel de crachat et de pu, un ciel de grille et de fer, un ciel de jet de pierre, un ciel de vengeance particulière, qui de mon corps est le propriétaire. Je me couche à cet endroit profond, transpercé de cris d'oiseaux, où les vers et les mouches volent en éclats. Son grand gosier digère lentement mes paupières démolies. Un ciel de cailloux et d'entrailles se répand sous mes pieds, au ras du sol. Un gros pigeon picore les vers de ma révolte. Je m'appelle Babac. Bête immobile, je ne réponds qu'à des signaux. Partout, il y en a partout. Des signaux qui se déplacent à l'horizontale. Comme des fragments, comme des coupures, qui se décollent des murs ou des visages, qui me renvoient toujours à ceci. Communiquer est un échec sanglant. Chaque signal a son poids, un poids qui m'enfonce dans le sous-sol, au dehors de ce que nous parlons. Je reste à une certaine profondeur, couché en centre de la terre, traversé de courants d'air. Les humains ont perdu de leur intérêt, leur entreprise de vengeance me laisse sans rien. Ils m'ont injecté leur venin, je ne les vois plus qu'en rêve. Je tords dans mes oreilles leur bouche cruelle, ça me donne envie de sang. Je me glisse la nuit sous leurs paupières, je me cache dans leurs yeux pour y enfoncer mes os. Je suis arrivée là par erreur, dans ce continent hostile, myope et amnésique. Mon cri noir habite tout le pays. Bête immobile, j'ai fait entrer dans mon cœur la dureté frémissante des mortes mortes brusquement. Ma salive a le goût de cendre, il ne me reste qu'un œil endolori arborescent dont le bruit blanc creuse les consciences. Un œil sec qui met à mort toutes les charognes. Bête immobile, je ne me déplace plus, je suis tout en bas, il ne me voit pas. Je prends racine dans la lumière noire par terre, Babac ployé, Babac maudite, Babac hérissée, pleine de lune, ivre de rage, habite provisoirement le lit épais du torrent, c'est ici que je guéris. Les vagues emportent mes joues. Je m'appelle Babac, usé par le craquement des orages, usé par le déchirement des arbres, usé par le vin dans les artères, usé par les chansons brisées des esclaves, usé par les cris des couteaux. La mousse mange mes cuisses, des arbres me poussent à travers le corps, ils creusent des couloirs profonds où les abeilles s'engouffrent. Je me nourris de poissons, leurs petits pois glacés glissent le long de ma gorge jusqu'à trouer la terre. Les sauterelles escaladent mes paumes humides, un crabe solitaire traîne sa carapace dans mes poumons. Prisonnier de la lune, les papillons de nuit vomissent sur les chrysanthèmes, leurs cris résonnent dans ma bouche ouverte. Je vis au milieu d'eux, parcouru de frissons. C'est ici que je repose, dans les ondulations de l'eau. Je n'ai pas de lèvres, je parle sans bruit. Ils n'ont pas détruit en moi ce qui annule leur langue. Ma parole est encore lente, elle roule dans l'ombre douce. Je la perds de vue parfois,
Je retiens les mots entre ma peau et mes os, enfermés dans un corps où jamais le cœur ne bat. Il cogne mes dents, je me divise, je me prolonge et la bave scintille. Des veines battent, des muscles se tendent, des dents convulsives rongent l'aube. Il n'y a plus une seule babac, il y a un raccordement de babac, une longue enfilade de crocs cosmiques et de narines bleues qui s'opposent à l'univers. La distinction des babacs est impossible. Je bégaye par millions, circonscrite dans ma minorité muette et indivisible. Je m'appelle babac. Bête immobile, j'ai des nouveaux yeux. Je vais crever la surface, détruire leur injustice. Avec humilité, le monde s'apaisera. Je dois réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir à la suite, réfléchir. Nous devons respirer fort la suite et ne pas sombrer dans la suite. Ne pas se croire mort à la longue. Et cette suite implacable fera place nette dans nos crânes. Et il y fera si froid qu'on regrettera même jusqu'à ces jours où l'on était malheureux sans suite aucune, avec nos grandes plaintes au fond de nous balancées d'amertume. Nous devons élaborer une suite. Une suite qui va casser nos grandes dents inquiètes. Une suite qui va se planter jusqu'au fond de la glace, jusqu'au fond de la peine, jusqu'au fond du monstre, jusqu'au fond des choses mortes. Et cette suite sera un mouvement seul contre tout. Et un mouvement qui contre tout voudra rentrer dans la grande peau du grand tout. Nous devons réfléchir à la suite. L'instant est grave, d'où l'importance de réfléchir soigneusement à cette suite. Il faut essayer. Il faut imaginer cette suite un peu comme une grosse mamelle, et l'on viendrait tous s'entasser contre cette grosse mamelle, et l'on sentirait soudain tout notre sang et tous nos muscles tressaillir, et l'on tremblerait comme des biches, nos lèvres mouilleraient en direction des mamelles de cette truie de suite que j'ai toujours cru décervelée, sportive et hygiénique, à laquelle je n'ai jamais accordé aucune importance, car cette suite était le parti de la mort. On peut investir la suite sans forcément devenir une suite de problèmes. On peut bien sûr mourir des suites de la suite, mais nous n'allons pas faire cette erreur d'y laisser notre peau. Nous allons nous soigner la suite. Nous allons nous soigner l'espérance. Nous allons faire de la suite une société vivante qui se préoccupe de l'espérance d'une suite. Désormais, je suis prête à faire un pas dans l'impitoyable bouillie des demeurées pulvérisées. Je suis prête à être saisie, par la suite, à macérer, à grouiller, à puer, je dois me tirer d'ici. Arrêter de traîner de longs moments à parler seul, c'est pire que la mort. Merci. Le corps est grand comme une feuille, grande comme un corps. Le corps n'a pas la couleur d'une feuille, mais ça peut arriver. Le corps se plie comme une feuille, mais pas dans le même sens. Tous les corps ne se plient pas dans le même sens. Toutes les feuilles se plient de la même façon. Un corps et une feuille, c'est très différent. Le corps peut s'étendre sur la feuille. La feuille peut s'étendre sur le corps. La feuille peut envelopper le corps. La feuille peut accueillir une phrase. La phrase peut accueillir un corps. La phrase a son format propre. La phrase est parfois petite, le corps est parfois petit, la phrase est parfois grande, le corps est parfois grand, la phrase peut être très grande, le corps peut être géant. La phrase géante peut recouvrir un corps. Certaines phrases peuvent être en couleur. Parfois des couleurs vives, parfois du gris. Toute phrase peut changer de couleur et de format. Le corps ne peut pas changer sa couleur et son format, mais ça peut arriver. La phrase peut s'écrire sur le sol, sous la feuille. Le corps peut danser sur le sol, sur la feuille.
La phrase peut s'écrire sur un mur contre la feuille. Le corps peut se prendre un mur. Le sol peut se prendre un mur au pied de la phrase. Au pied du mur, la phrase pend contre la feuille. Il est humide. Le carton est humide. Certaines phrases sont imprimées sur des feuilles. Certaines phrases ne savent pas qu'elles sont à dire. Certaines phrases imprimées sont à dire via la bouche. Certaines phrases ont besoin d'une bouche et d'un micro. La bouche appartient à un corps. Le micro a parfois un pied en guise de corps. La phrase à dire a parfois plusieurs pieds. Toutes les phrases n'ont pas besoin d'un micro, mais ça peut arriver. La phrase aime la musique, elle est musique. La phrase a sa forme, qui est aussi de la musique. La phrase fait du son dans son corps. Beaucoup de phrases
font du son avec leurs mots dans leur corps. La bouche du corps peut faire du son en passant les lèvres. Tout ça, c'est possible avec une phrase et un corps. Le corps a son mot à dire. Je répète, le corps a son mot à dire. Toutes les phrases sont couchées sur le papier ou dans la bouche, certaines non. Certaines phrases sont debout. Un poète a dit « il faut mettre la poésie debout ». La phrase n'est pas obligée d'exprimer une émotion. La phrase n'est pas obligée d'exprimer quelque chose, mais ça peut arriver. La phrase peut parler d'elle-même. On dit alors « c'est la métaphrase ». Un poète a dit « c'est la métaphrase ». On dit « mets ta langue où tu veux et fabrique ta métaphrase ». On dit « la phrase se mord la queue, elle est métalangue, elle est là, elle est méga ». La phrase est méga là, elle est méga tout, omni là, elle est là. La première phrase est proto. Tu ne le sais pas, mais ta première phrase était une proto-phrase. La phrase « maman, papa » est la proto-phrase. Elle n'arrive qu'une fois. La seconde fois, ce n'est pas une proto-phrase, peut-être une méta. Enfin, plus tard. Quand ta proto-phrase arrive, elle est toute neuve. Tu y repenses plus tard et tu sais que c'était ta métaphrase. La proto-métaphrase, ça n'existe pas. Mais ça peut arriver. Plus tard, la phrase méta-méga-tout est aussi mania. Elle est maniaque. Elle est maniaco. La phrase est méta, méga, maniatou et omnila. C'est la maniaco-phrase à dire. Merci. Le bruit se situe au premier plan, faisant le vide autour de lui, éclipsant toute autre pensée. Le son cisaille et brise, électrise. Il faut refaire la mise au point, chercher ailleurs. Et pourtant, il n'y a rien d'autre que le son au centre, comme une colonne vertébrale de la ville, incessant. Les voix elles-mêmes perdent toute signification pour se muer en percussion, accumulation. Congestion de bruit mêlé, tapage. Ton cerveau semble anéanti dans cet espace sonore sans échappatoire. Tu cherches à ne plus entendre, à disparaître. Dans le silence, assombré quelque part, quitte à n'entendre plus que le battement du cœur, la vibration de ton sang et le bourdonnement de l'air dans tes oreilles, comme dans la chambre anéchoïque, alors cessez d'entendre. Le silence, presque.
Tout à coup, plus d'air dans ta gorge, tu es au fond de l'eau, sous un poids de silence. Ton corps se réveille en pleine nuit et arrache les abstracteurs de bruit. Le réel doit revenir. Le réel, c'est le son lorsque nos yeux sont fermés, lorsqu'il fait noir. Cesser d'entendre serait comme de ne plus respirer. Tu entends à nouveau. Expiration. Bruissement de toute chose. Tu te dresses. Tu es debout. Somme des éléments qui t'entourent par leur irruption sonore ou silencieuse, tremblante ou immobile. Ton corps est baigné d'espace. Tu bouges dans l'espace, comme l'oxalis qui s'ouvre avec la lumière, phénomène que l'on nomme nictinastie. Quand le jour arrive, tu te déplaces. Tu fais glisser ton corps d'un point à un autre, tu cherches l'équilibre au-dessus du sol. Tu respires. La densité de l'air d'ici n'est pas la même que là-bas. La chaleur du soleil et la couleur des pierres, la réverbération du son, non plus. Te déplace, sort, discussion téléphonique. Discussion téléphonique multiple. Elle parle et elle écoute. Nous entendons ce qu'elle écoute sans comprendre. Tout est parole et toutes les paroles se croisent, se superposent, sans hiérarchie, dans une couverture de bruit, dans une épaisseur de fragments, couinement, tintement, ronflement, grondement, clignement, répétition. Les bruits rongent l'écoute d'une parole. Tu n'entends plus ce que l'on te dit. Ton corps est saisi par ce dédale continu de son, son irréductibilité, qui te permet aussi de te repérer dans l'espace. Ici, le grondement d'un camion. Là, les pas d'une femme, le bruit de l'eau, le ronflement du ventilateur, cette épaisseur de l'espace.
Ça y est, tu deviens une surface d'impression. Le bruit des choses vient creuser en de fins sillons ton corps disque vierge. Les sons doux d'abord, discussion à l'oreille, chuchotement, petit rire, murmure, petit craquement, frottement, puis des paroles plus voisées, plus incarnées, plus vives, des voix graves, des affirmations, des négations, des choses qui tranchent, qui claquent dans le blanc ou le noir, négatif, lacération, des cris, des hurlements, des choses qui tombent, qui se brisent, qui claquent. Le corps est saisi dans l'immensité sonore, dans ce toute part des bruits, dans cet infini de sons. Alors quoi? Que faut-il faire? Une espèce de trouble t'envahit. Vibration unique qui creuse. Ton plexus est lourd. Distorsion de la vision. Tu vois le carrelage ponctué de petites pierres blanches sur fond rouge foncé, trembler en vaguelette, déséquilibre du corps. La tête se penche en avant. Les yeux se déplacent pour trouver le bon angle. Plage sonore. Comme un violent claquement dans le crâne. Qu'est-ce qui arrive? Comme un flash. Dans la tête, un arrêt, une étendue, silencieuse, rien. Demain, tu écriras un son, tu inventeras une langue. Tu prononceras des noms pour y voir plus clair. Laissez vibrer l'air entre les voyelles et les consonnes. Et puis enfin, lorsque tout se tait autour, vient le silence après les paroles. Merci.